1, 2, 2. Salut, salut. Du coup, salut Fenring, installe-toi confortablement. Promis, après notre partie de Northgard ici, on ira sur du Dark Souls 2. On va déjà arrêter la musique d'ambiance. Tac. Et c'est parti pour du Northgard. Quoi ? Ah oui. Ah, il y a une petite mise à jour apparemment. Ou une petite mise à jour. Mais donc j'ai fait une partie de Northgard la semaine dernière que j'ai glorieusement gagnée en mode science. Enfin savoir.
Là, ici, on va essayer de... Tiens, qu'est-ce que c'est que ça? The Art of Northgard. C'était un art book limité à 1000 copies. J'ai cru que c'était un jeu de société, mais je me suis dit ah oh, c'était un art book. Bon, c'est bien aussi, hein, mais bon. Ah, ben vous voyez pas, en fait, c'est derrière moi. C'est complètement derrière moi. Et je crois que ma tête est plus ou moins bien là pour le jeu, donc je vais laisser ma tête là. Enfin, quoi que je peux me bouger pour que vous voyez le magnifique art book officiel. Attendez, je vais me bouger. Ah, ben attends, j'ai pas besoin de me bouger, je peux faire ça, en fait. Si je fais ça... Ouais, ça marche, voilà. Donc, voilà, The Art of Northgard Official Art Book. Ça fait un peu boîte de jeux de société hein, quand on regarde comme ça. Enfin, quand on regarde de côté. Je ne resterai probablement pas beaucoup plus qu'une trentaine de minutes de toute... Beaucoup plus qu'une trentaine de minutes de toute façon. Ok, bah écoute... alors une petite partie de Northgard. J'espère qu'on aura le temps. Northgard Expédition. Apparemment, il a changé de nom entre temps. Tu connais ou pas Northgard d'ailleurs? Je sais plus si tu connais. Alors, on a le mode conquête qui m'intéressait parce que ça a l'air d'être un truc assez nouveau. Continue la partie inviter un contact. Le côté inviter un contact a l'air sympa parce que apparemment il y a moyen de faire ça en multi. Ah, notre cher ami Scandal fait dans Valheim. Le nom me dit quelque chose, donc on m'en a parlé, mais je n'en ai aucun souvenir. C'est un jeu de gestion. À la John Pyre, vite fait. Dans l'univers viking. Viking mythologique. Ça, en fait, c'est l'univers de Valheim, mais vu du dessus, un peu. C'est un peu ça. On va essayer le mode conquête, mais je connais pas du tout. Donc on va essayer quand même. Alors, on va sélectionner un clan. Alors, ce qui est chiant ici, c'est qu'on n'a pas les détails du clan. Et je les connais assez mal. Du coup, on va aller dans solo. On va faire... ok. Voilà, et là, on a le détail des clans. Donc, on a du coup le cerf, la chèvre, le loup, le corbeau, l'ours et le sanglier. On va pas aller chercher des DLC, en tout cas pas aujourd'hui, ça c'est sûr. On va déjà essayer de maîtriser les clans de base. Donc on avait fait le sanglier la dernière fois. Accès savoir et simplicité. Pas besoin de faire des améliorations de maison. D'ailleurs les maisons non améliorées et la maison commune non améliorée ne font courir aucune pénalité de bonheur. Ça c'est quand même sympa. Donc on élimine le sanglier parce qu'on l'a fait la semaine dernière. Je vais éliminer le corbeau aussi parce que de mémoire je suis pas fan. Allez, on va dire que on l'élimine, ça limite le choix. Donc on va partir sur ours, Fenrir, chèvre ou cerf. Tu es, je pense, notre seul spectateur actuellement Fenrir, donc pour te rendre hommage, je partirai bien sur Fenrir. Clan du loup. Et du coup, clan du loup, qu'est-ce qu'il a? Il a de la viande quand il tue des loups ou des ours. Les unités militaires consomment 30% de nourriture et octroient du bonheur, donc c'est pas mal d'avoir des troupes. Si on se dispose d'aucune unité militaire, la première recrue est gratuite. Et alors, Berserker peut coloniser gratuitement des zones non occupées. C'est quand même balèze ça. Assaut, vos unités militaires gagnent un bonus d'attaque de 15% lorsqu'elles se battent en dehors de votre territoire. D'accord. Capacité dominante du berserker réduite de 50%. Ah, le temps de recharge, ok. Le temps de recharge de ta capacité, ok. Et la capacité dominion, c'est... Ok, d'accord. Dominion, c'est le nom de la capacité et il y a un temps de recharge, c'est pas... sinon ce serait abusé, évidemment. Alors, relique, je sais pas très bien ce que c'est. Corne de Managarm invoque jusqu'à 3 loups blancs que vous contrôlez. Ah, ça, je les avais combattus avec le sanglier et ils étaient balèzes, ces machins-là, ils étaient balèzes. Est-ce qu'on essaierait Fenrir? On va essayer Fenrir. Hein. Du coup, en mode conquête, parce qu'on découvre le mode conquête, je sais pas très bien ce que c'est. Une nouvelle partie avec le loup. Difficulté normale, hein.
Ok, c'est parti. Du coup, règle spéciale. Aucun mur naturel ne sépare les zones qui sont toutes reliées. Ah ok, il n'y a pas de falaise et tout. Vous bénéficierez d'unités militaires avant chaque nouvelle lune rousse. Ok. L'événement lune rousse est fréquent. Ok. L'appel du sang, je sais pas ce que c'est l'événement lune rousse, ça fait trop longtemps que j'ai pu jouer. Enfin, j'ai jamais fait ce mode là. Condition de victoire, domination, détruisez les maisons communes des autres joueurs et devenez le maître à côté de Northgard. Ok, donc apparemment, en condition de victoire, dans ce mode-ci, tu peux pas gagner au savoir ou à la renommée, etc. T'es obligé d'aller tataner. Étant donné qu'on a pris le clan du loup qui est un peu, entre guillemets, spécialisé dans l'attaque, c'est pas mal. Bonus, c'est quoi? Nous, on est le loup et on a en face le serpent, la chèvre et le bœuf, ou le taureau plutôt. Bonus, la viande fournie par des animaux tels que les loups et les ours bruns ou les lynx augmente de 100%. Oh oh oh, c'est terrible ça. C'est terrible, c'est terrible. Eh ben allez, on va aller voir ce que ça donne en mode conquête. Je sais pas du tout la différence entre le mode conquête et le mode normal. Ah, la musique est quand même sympa. On va commencer du coup par faire un camp d'éclaireur. Tac. Pour aller explorer. Est-ce qu'on ferait déjà une petite maison ou une cabane de bûcheron pour avoir de... Je préfère explorer d'abord en faire une cabane de bûcheron parce que au cas où on a une forêt juste à côté, on peut faire la cabane de bûcheron juste à côté et comme ça on gagne des sous quoi, on économise des sous. Donc à la place de faire une cabane de bûcheron, je vais faire une maison ici. Donc Fenring, toi qui ne connais pas, la différence première, principale avec Ajonpire, je ne sais pas si elle est principale, mais une différence importante, c'est une forêt, c'est carrément une forêt. Donc on va coloniser et on va faire notre cabane de bûcheron ici. Comme il y a une forêt, la production de bois est augmentée de 10%, donc c'est plus intéressant de faire une cabane de bûcheron ici qu'ici. Donc une différence importante par rapport à Edge of, c'est que le territoire est divisé en... Il est où notre éclaireur ? Il est clair, c'est très bien. Le territoire est divisé, enfin toute la map est divisée en petites zones qui ont des spécialités, par exemple forêt, ou là il y a des ruines, ou des marécages, ou des champs cultivables, enfin voilà. Et on ne peut s'étendre que zone par zone en payant le coût de colonisation. Pareil, on ne peut attaquer les autres que zone par zone jusqu'à atteindre leur maison commune, la mienne est ici. La deuxième spécificité, c'est que les villageois sont des habitants, donc des gens de ton clan, et qui de base sont neutres, enfin sont des bâtisseurs quoi, comment ça s'appelle, des villageois. Et ensuite tu peux les affecter à différents rôles. Donc par exemple, on va coloniser ici. Par exemple, j'ai une cabane ici, un camp d'éclaireur, donc j'ai pu demander à un villageois de devenir un éclaireur. Et du coup, là, il peut partir en reconnaissance. Ah, ça, c'est une super zone, parce qu'il y a à la fois de la bouffe ferme, des terres fertiles, et du poisson. Le poisson étant intéressant, parce qu'en hiver, il n'y a pas de perte de production de bouffe. Que la terre fertile, ça produit beaucoup, mais en été. Enfin, pas en hiver, beaucoup moins en hiver, en tout cas. Ce qui m'amène, quelle transition de folie, à la troisième différence, c'est qu'il y a un système de temps, de saison, qui passe. Donc là, on est en mai, en l'an 800 après Jésus-Christ, et tout va bien, jusqu'à ce qu'on arrive en décembre, là-bas, et là, ici, ça va être l'hiver, du coup, il va falloir faire des stocks de bouffe et de bois, parce qu'en hiver, on consomme beaucoup plus de bois de chauffe, et on produit moins de nourriture. Je sais pas si on consomme plus de nourriture en hiver, c'est possible. En tout cas, le bois, on consomme plus en hiver, ça c'est sûr. Bon, pour coloniser là, il faut d'abord que je bute le loup. Donc je vais déjà demander à l'éclaireur d'explorer ça. Ensuite, je vais faire une caserne. Quand entraînement, je vais en faire ici. Est-ce que ce serait pas déjà... C'est quoi ça? Tirailleur. Est-ce que quoi? Un bateau de marchandises en provenance de votre terre d'origine vient d'arriver, vous avez reçu... Ah bah c'est nouveau ça. J'ai reçu un lanceur de hache et un tirailleur. Eh bien, on va aller péter le loup, du coup. Alors.
Voilà, ça c'est fait. Du coup, on peut coloniser la zone ici. Et du coup, le tirailleur. Les tirailleurs sont des unités militaires légères qui sacrifient l'attaque et la protection au profit de la mobilité et qui bénéficient de la compétence dissimulation. L'activation passive permet de se rendre invisible aux yeux de l'ennemi à moins que la zone ne soit disputée. Ok. Bon, c'est sympa. Alors, pour les soigner, il va me falloir un druide. Donc, on va faire ça ici. Le druide, parce que le druide, quand il ne soigne pas, il produit de la bouffe. Or, après, on peut faire des silos qui augmentent la production de nourriture d'une zone. Et autant concentrer la production de nourriture dans une seule zone, du coup. On va commencer par faire une mine. Comme ça, on peut se débarrasser du caillou ici. Puis détruire la mine pour construire d'autres trucs. Parce que par zone, on ne peut construire qu'un nombre limité de bâtiments. Dans celle-ci, actuellement, 3. Avant de la booster, mais la développer, ça va coûter des sous. Et il nous faut des maisons. Il nous faut absolument des maisons. Parce que là, on est à 11 sur 11 de population. Bah, c'est à cause des deux Gugus là-bas, hein, ça. On va aller chasser du loup. Alors, on va faire une maison. Premier savoir. On va faire les mineurs exprès le minerai plus vite, on va faire ça. Comme ça on va vite se débarrasser du caillou. Enfin se débarrasser, je me comprends. Allez, tu deviens un mineur toi. Et le lanceur de hache aussi, tu deviens un mineur. Parce que voilà. Et on va faire une maison ici. Votre clan ne peut pas se développer, il faut plus de maisons, je sais. Et pour faire une maison, il me faut 50 de bois. Plus 3 là, pas énorme. Par un autre bûcheron, toi tu vas aller bûcheronner. Voilà. Hop là. Pourquoi est-ce qu'il y a des gros vilains nuages là au-dessus? À tous les coups, c'est une... Ah, bah c'est la lune rousse. La puissance d'attaque des unités qui se battent en dehors de leur territoire est augmentée de 50% tant que dure la lune rousse. Ah d'accord, c'est... Oui, ok, il faut se méfier de se faire attaquer pendant cette... Il faut profiter de ça pour attaquer. C'est un peu le côté... c'est un peu la comète de Sozin là, dans Avatar. C'est même carrément ça en fait. Pendant la comète machin truc, ben hop, on peut en profiter pour aller mettre le continent à feu et à sang. Parce que voilà. Or les moutons, en fait la présence d'un mouton, ça augmente la... Ça réduit le besoin de bois de chauffage dans la zone. Donc c'est bien de répartir un peu son bétail. On a un seul mineur là, on est d'accord? Non, on en a deux, on en a deux. On en a deux, tout va bien. Tout va bien, donc ils extraient le minerai. Dès qu'on aura d'ailleurs 10 de minerai, voilà, on pourra augmenter le bâtiment là, mais il faut 100 de bois. Bois qu'on va d'abord utiliser bien sûr à la construction d'une maison, on avait dit ici. Voilà. Et on va demander à un villageois d'aller la construire bien sûr. Toi, tu sers à rien, en plus tout seul tu sers vraiment à rien. Donc tu vas... Je ne sais pas, tiens. Bon, tu vas prendre de la bouffe, hein, ce sera toujours ça, parce qu'on n'est pas trop loin de l'hiver quand même. Il vaut mieux avoir des réserves de bouffe. Il me semble qu'on collecte moins de bouffe en hiver par la cueillette et par la ferme. Il y a juste le poisson qui change pas. Donc on va construire un truc de poisson. Il est où celui-là? Cabane de pêcheur. Aux 80 de bois. On y sera bientôt, aux 80 de bois. Alors, toi, tu vas aller là. Construire la cabane de pêcheur. Dans pas longtemps. Attention, voilà. Petite cabane de pêcheur. Alors, il faut savoir que je pense
que la distance, bah, je mets la mine ici parce que c'est à côté, et voilà. Mais je pense que la petite animation du fait qu'ils prennent le caillou, qu'ils reviennent la mettre, ou lui qui va aller pêcher ou quoi, n'a pas d'influence sur la vitesse à laquelle la récolte se fait. C'est juste, ils sont en train de pêcher, ça va avoir une influence sur la nourriture qui rentre, mais c'est pas comme du Edge of, c'est pas vraiment des trajets, ça a pas une influence, ils sont pas vraiment en train de porter de la bouffe, si vous voulez ce que je veux dire. Lui n'a pas vraiment de la bouffe, et au moment où il va la porter, hop, je vais avoir de la bouffe, quoi. C'est... Alors voilà, c'est l'hiver, du coup... j'ai plus 1 de bouffe parce que j'en produis 18 et j'en consomme 17. Et le bois, voilà, j'en consomme 6, j'en produis 9. Par contre, la bouffe, là, lui, s'il devient un pêcheur, boum, j'en produis déjà plus parce que j'ai plus 4 avec un seul pêcheur. Donc déjà, lui, hop là, on va prendre un autre pêcheur. Hop là, voilà. Nos pêcheurs, ils nous amènent 9 de bouffe. C'est pas mal du tout, ça. Alors, les bûcherons, ils amènent toujours autant de bois. Par contre, on consomme plus de bois pour se chauffer en hiver. On a attaqué. Ah, c'est con ça, on a renvoyé tous nos... On a renvoyé nos soldats, mais c'est pas grave. Voilà, on s'en sort très bien. On va faire quoi ? Frappe de monnaie... le phare pour production de marins, non. Augmente la production de bois. Allez, on va faire ça. C'est pas mal pour construire plus vite des maisons. Et après, ça nous donne accès à expansion qui nous permettra de coloniser plus vite. Alors, ça, c'est un arbre de technologie commun à tous les clans, excepté à chaque fois que vous voyez un petit symbole ici. Là, c'est le symbole du loup, mais ils sont pas au même endroit à chaque fois. Le loup, on voit que c'est surtout axé sur la phase militaire. Donc la branche du milieu. Mais par exemple, quand je jouais sanglier, j'avais pas tellement de trucs ici, j'avais plutôt des trucs ici et là. Donc chaque fois que vous voyez un loup, c'est des pouvoirs qui sont exclusifs à l'arbre de technologie du clan du loup. Hello hello Colonna, es-tu installé confortablement? Je suis installé très confortablement, j'espère que toi aussi. On a fait connaissance d'un clan, les Jotnar. On va pouvoir commercer peut-être avec eux. Voilà, c'est des géants comme ça. Alors. À la fin de l'hiver, on va faire un festin. Pour avoir un petit boost de production. Ça peut être pas mal. Ah, ça y est, on a plus de cailloux, super. On détruit ça, ok. Vous redevenez des villageois. Alors, on va faire... je réfléchis. Là, il faut 3 trucs. Donc très bien, on peut avoir un truc de pêcheur, une ferme et un truc de druide. Et après on le développera pour faire un silo. Je crois qu'on va faire ça. Donc on va d'abord faire un truc de druide. Cabane de soins, voilà. Ça c'est important pour soigner les blessés. Ou les malades éventuellement. Mais vas-y, va construire ça toi. C'est très important la cabane de soins. Ok, on va commencer par faire un festin, voilà, super. On va dépenser aussi nos sous pour améliorer la maison, mais il faut aussi qu'on dépense notre bois. Allez, on se dépêche. Il nous faut notre soigneur. Félicitations, votre clan a survécu assez longtemps pour célébrer une nouvelle année. Ok, la cabane de soins est faite, donc toi tu deviens un druide, et toi aussi. Voilà. Alors, le silo, est-ce qu'il prend un slot? Je pense que oui. Je pense qu'il prend un slot. On va d'abord faire ça. Puis je verrai pour le silo, quand j'aurai 80 à nouveau de bois. Comme ça, la bouffe, là, on sera full bouffe, ce sera très très bien. Eux, ils sont en train de soigner tous les blessés du clan. Vous avez rencontré Olsen, chef du clan de la chèvre. Ah, super, là on a de quoi faire un peu d'érudition. C'est une pierre runique, ça nous donne du savoir. C'est bien pour débloquer plus vite des nouvelles technologies.
Ah merde, ils ont déjà colonisé ça, eux. Du coup, ils nous prennent de court. Ah, là, on peut chasser. Et il y a des loups aussi et du fer. Peut-être pouvoir aller par là. Parce que ici, c'est un peu pauvre, hein, c'est des marais. Là, c'est aussi des marais. Ah, là, on a un bout de côte, c'est plus intéressant. Et de... Qu'est-ce qu'il y a ? Il faut plus de maisons, ok. Bon, on va faire des maisons, on va faire une maison ici. Tac, on fait une maison là. La lune rousse va bientôt se lever. Ah ouais, la lune rousse, ça arrive super souvent. On a des mecs qui arrivent. Ok, on a eu quoi ? On a eu deux lanceurs de hache, super. Alors, toi, tu... Hop là, tu deviens fermier. Toi, guérisseur, tu restes guérisseur. On a attaqué où ? Attaquer là par un loup. Allez, allez, en arrière, en arrière, en arrière, en arrière. Voilà. Ok, toi tu fais la maison comme convenu et vous vous restez au centre de la base pour aller rapidement défendre au nord, au sud, enfin partout où il faut quoi. Alors, dès qu'on aura 100 de bois, quand même, il faudra développer la maison commune. Et on va faire expansion. Réduit 30% la quantité de nourriture nécessaire à coloniser, c'est important ça pour s'étendre avant de se faire bouffer la tête par les autres, parce que mine de rien, ils s'étendent rapidement. Donc notre troupe, on va les amener ici d'ailleurs, on va s'étendre ici pour prendre le petit bout de côte là. Bout de côte qui est important pour faire... bon, on pourrait le faire là, un autre, mais on a déjà les bûcherons. Pour faire des dracars, des expéditions. Voilà, on va... Tac. Voilà. Voilà, comme de toute façon, on produit... on avait des stocks de bouffe pleins, autant coloniser. Et vous allez aller là aussi. Il y a... Deux loups, il n'y a que deux loups, donc ça va, ça va. Ça a l'air impressionnant, mais ça va. Alors, réfléchissons, il nous faut du fer. Le fer, c'est là. Ok, tac, tac, on va faire... Une mine. J'appelais ça une mine. Ah, lui, il va mourir si je fais pas gaffe. Ah, va-t'en. Ok, super. J'ai bien cru que... elle perd ce combat-là. Bon, on s'est étendu un peu comme on peut. Il faut s'étendre avant que les autres s'étendent. Ah, et là, il y a moyen de faire de la science. Ça, c'est pas mal du tout, ça. Par contre, là, il y a une tanière de loup, donc il faut, faut la détruire. Je crois que je vais rapidement... Allez, hop, on va améliorer la maison commune. Comme ça on a un titre de Tain, ok, et on peut aller faire un berserker ici, si on a du fer. Tac, toi tu deviens mineur, et toi aussi. La lune rousse. On espère ne pas être attaqué. Alors, faut rester concentré. Au niveau militaire, je n'ai que deux lanceurs de hache, c'est ça. C'est pas folichon. Ce qu'il faudrait, c'est faire une petite armée et puis aller attaquer les autres. Donc on va attendre d'avoir du fer pour pouvoir avoir notre fameux berserker. Et puis après on va faire un peu plus de troupes. On dégueule de nourriture, ce qui est pas mal parce qu'en fait finalement on va pouvoir coloniser à foison. Le problème c'est qu'on n'a pas une assez grosse armée pour aller... Ouais, il nous faudrait vraiment notre berserker. Il nous faudrait notre berserker. Et on va améliorer la cabane de bûcheron.
Toi, tu vas devenir un bûcheron. Alors, des mineurs, ils sont là, on en a deux, tout va bien. C'est quoi ça? Hop. Un festin? Non, pas un festin juste avant l'hiver. On me dirait, on appelle ça Noël, mais... niveau bonheur, on est à 1, donc ça va. Pas urgent de faire une brasserie, tout ça. Hop, on va faire la mûrie, parce que maintenant, il va falloir se concentrer un peu sur l'aspect militaire du jeu. Et on va construire des lanceurs de hache ou des porte-boucliers. Ils résistent aux attaques à distance, je sais pas s'ils ont beaucoup d'attaques à distance. Et ils ont des tours, donc ouais, on va faire ça, on va faire porte-bouclier ici. Et alors construire des nouvelles unités, enfin des bâtiments pour des nouvelles unités, ça augmente aussi la capacité globale de notre armée, donc c'est très très bien. Ici, pourquoi on peut pas le faire? Il faut 200 de pièces et on est en négatif de pièces. Donc ici, il va falloir faire un... attendez, le commerce, on va faire ça où? Ici, 1 sur 3, parfait. Ça veut dire qu'ici on va faire du commerce. On va faire un marché. Tac, et on va faire aussi un... Où est-ce qu'il est? Un comptoir. Avec 80 de bois. Toi, bah, ça tombe bien, deviens... Ah, il est plein celui-là. Bah, tu vas devenir un éclaireur. Toi, tu vas devenir un... Pourquoi? Ah, il faut construire davantage de camps militaires pour faire d'autres troupes. Deviens d'abord un villageois, puis on verra après. Toi, tu peux être démoli parce qu'il n'y a plus de fer sur le territoire. Maintenant qu'on a des porte-boucliers, voilà, tac, toi tu deviens un guerrier. Toi aussi. Voilà, on a 4 guerriers. Toi, on va prendre le fer qui est là. Non ? Si ? Voilà. Ok. Et pour notre berserker, il faut des sous. Et ça, c'est toujours pas réglé. Ok. Et toi, tu vas aller faire des sous aussi. Alors, pour les sous, voilà, marchand, plus 2. Ok. Le comptoir, c'est bien aussi, alors. Hop, on peut vendre des trucs. Ah non, ça, c'est pour acheter. Pour vendre des trucs, c'est à l'autre. Ah là là. Et pour notre berserker, faut 200. 200 pièces, c'est pas tout de suite. On a un négatif de bouffe, mais c'est pas grave. C'est pas grave du tout. Parce qu'on en a 490, on passera l'hiver sans problème. Bah oui, mais... Non, 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 pas les deux. Juste lui, on va pas perdre des sous encore. On a deux druides, donc on va aller péter les loups. Pas besoin de berserker pour péter les loups. Voilà. On peut même coloniser en plein hiver, allez. On est des fous. Et on va gagner de la renommée. Même si j'ai bien compris, ici on ne peut pas gagner à la renommée. On peut gagner qu'en pétant les autres. Voilà, super. On est attaqué. Bah, hop, on a notre armée qui est là. Ça va, c'est juste un loup. Il va se faire dégommer. Après, on va péter la tanière là, tiens. On va aller péter la tanière ici. Note que, non. C'est mieux d'aller prendre ça parce que comme ça on peut avoir de la sagesse ici. Et avoir plus vite les améliorations de nos troupes, donc c'est mieux d'aller là. Ce qu'il nous faut maintenant, c'est avoir des sous, donc il faudrait éventuellement construire un comptoir. Ici. Tac. Histoire d'avoir plus de sous. On a un négatif de bouffe, mais encore une fois, c'est pas très grave, ça va aller en été. Enfin, la belle saison. Pas en hiver, quoi. Dès qu'on a 200, il faut qu'on achète un berserker.
Donc ça se gère très 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 différemment d'un Age of Empires et même très différemment de tous les jeux de gestion STR que je connais. Et c'est très agréable à gérer. Enfin moi j'aime beaucoup toutes les mécaniques de ce jeu, je les trouve très très bien foutues. Les membres du clan blessé subissent un malus de production de 20%. Ah. Mais est-ce qu'on a deux druides? On n'a plus qu'un seul guérisseur, mais c'est pour ça. Lui, il peut pas se guérir. Il peut pas s'auto-guérir, en fait. Donc il nous faut au moins deux guérisseurs. Bon. Signy devient plus forte, ok, tant mieux pour elle. Butin de guerre, gagner des crowns pour chaque ennemi tué. Oh, ça c'est bien, ça. Vos unités militaires sont plus affaiblies pendant l'hiver, on n'est pas en hiver, tant pis. On pourrait faire frappe de monnaie pour gagner plus de sous plus vite, comme on sait notre objectif. Ou butin de guerre pour aller gagner des sous en tuant des mecs. C'est pas... On va faire ça. Parce que comme ça on va aller tuer ces mecs là, et comme ça après on va coloniser ça. Et on aura plus de savoir et on pourra faire l'autre recherche. Voilà, on a gagné 10 crowns. Et on a encore gagné 10 crowns. Et on colonise, allez hop. Chaque nouvelle zone, évidemment, est plus chère que la précédente. Hein. Salut Nocti! Ah, il faut des maisons, il faut des maisons, il faut des maisons. On fait une maison ici. Tac, allez, hop. Un bateau de marchandises en provenance de votre terre d'origine vient d'arriver, vous avez reçu... C'est dingue, hein, on a plein de troupes en fait, dans ce mode de jeu là. Nocti, toi qui as l'air de connaître le jeu, moi je découvre ici le mode conquête, je ne connaissais pas. Ça va être un mode en fait un peu différent, plus agressif apparemment, plus axé militaire, a priori. Vu que le but du jeu c'est vraiment de péter les ennemis et pas de... Qu'est-ce qu'on fait? On attend la lune rousse et on leur pète la tête? Bon, là, il fait une maison, puis après, il va prendre de la science. Le mode conquête, c'est une sorte de campagne avec des défis sans histoire. D'accord. Ok. Ok, ok, ok. Et on peut la faire en multi, non? On peut la faire en coopération. Votre clan meurt de faim. Ah, bon, c'est pas une bonne chose, ça. Ça, c'est pas une bonne chose. Alors, voyons voir. On va améliorer le camp de pêcheurs. Voilà, et on va améliorer la ferme, on ne peut pas, on n'a pas assez de pierres. En tout cas, toi, tu vas devenir un pêcheur. C'est parce qu'on a trop de troupes, hein, ça, qu'ils ont faim. On a beaucoup trop de troupes. Et en plus, les druides... Bon, écoutez, on va rentrer dans l'art, même sans notre berserker, tant pis. Quitte à perdre des gens, on aura moins de gens à nourrir. Et si on leur bute des mecs, ça nous fera des sous. Pour l'instant, c'est surtout eux qui nous butent des mecs. On aurait dû attendre la lune rousse. Hein. Bon, ceci dit, la bouffe est en positif. La bouffe est en positif et on a assez de sous pour vendre notre berserker. On va le prendre tout de suite d'ailleurs. Pourquoi on peut pas le prendre? Allez. Voilà. Ça, c'est cool. Et ensuite, tac, toi tu vas être un guerrier. Toi tu vas être un guerrier aussi. Allez. Un guerrier. Ah, il n'y a pas assez de sous. Bon ben un marchand alors. Attends, je vais mettre pause hein, parce que je maîtrise pas tout. C'est pas du tout pause ça. Ça c'est pause. Mais c'est pas très dur. On peut la faire à deux. Tu as sélectionné un mouton MDR. J'ai pas vu à quel moment. Pourquoi t'as pas attendu la lune rousse? Oui, j'aurais dû. Parce que j'étais là, je manquais de bouffe. Les gens avaient faim. J'aime pas quand les gens ont faim. Donc je me suis dit, allez, tant pis. On va aller leur taper dessus et gagner des sous en leur tapant dessus. C'est en facile en vrai là. Je sais pas, j'ai pas modifié. Donc c'est peut-être normal ou facile. Je ne sais pas. C'est pas très bien les options, j'ai laissé comme c'était, donc je dois être en mode de jeu facile. Tu scoutes et tu sors pendant telle une rousse. Ouais, bah ouais, il me semble que c'est comme ça qu'il faut faire. Je suis fatigué, j'ai écrit entendu oui, mais j'avais compris.
J'avais compris. Bon, on reste concentré. Tac, on a un guerrier, un berserker, c'est pas beaucoup. On va faire des lanceurs de hache. Ça, c'est des porte-boucliers. On n'a pas de truc de lanceurs de hache, en fait. C'était, il nous était venu par bateau, en fait, je crois. Donc, on va prendre... tac. On va faire des sous. Et comme ça... on va faire des sous et comme ça on pourra plus vite recruter des hommes. Bon. Alors mineur, il est où? Il est là. Ok. On pourrait améliorer les hommes. Il faudrait 10 de pierre, on pourrait... Là ils sont 4, là ils sont 4 en fait, ouais c'est pareil. Attention, on a attaqué, ok. C'est ouf, c'est un vieux loup ça encore. Ah non, c'est un draw. Ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Ok. Heureusement, on a nos soigneurs. Ah, ok, super. Donc on peut faire stratégie militaire ou pillage. Les unités se trouvant dans une zone que vous venez de décoloniser gagnent 30% de points de vie. Pas mal. La puissance d'attaque de vos unités militaires est augmentée de 5% pour chaque type d'unité militaire alliée dans la zone. Ouais. Ouais, je vais plutôt faire plus de sous. Plus de sous comme ça. Ah super, et je peux prendre la pierre et le fer aussi. Attention, je suis attaqué, mais c'est justement là où j'ai mes troupes, donc c'est pas très grave. Ah, en plus c'est en lune rousse hein, qu'il attaque ce salopard. Oh, c'était tout juste hein. C'était vraiment tout juste hein. Bon, pourquoi est-ce qu'il est pas soigné lui? Les guérisseurs, on en a deux non? Ils sont où? Ah, ils sont morts nos guérisseurs. Ah merde, je suis attaqué là où j'avais mes guérisseurs. Oh, ça pue ça. Ça pue, ça pue. Retraite, retraite, retraite là. Retraite, retraite. Ah là là. Ah, ça sent le pâté. Oh, pourquoi est-ce que le mouton reste là, je dis rien. Ça sent le pâté, on a plus de guérisseurs. Aïe aïe aïe. Ouais, j'ai perdu là. La puissance. La puissance. Où est-ce que j'ai mis ça moi? Dépouillé! Je suis dépouillé! Bon. Merci Fleur, tu n'es jamais là quand il faut! Voilà. Bon, ben au moins on a appris un peu les mécaniques de la conquête. Mais que font les droïdes des casses? Et oui, que font les droïdes des casses? Bon. Au moins on voit un peu comment ça marche. Je recommencerai ça avec grand plaisir. Il faut que je me concentre mieux et que je vois un peu mieux, que j'anticipe un peu plus les dangers. Mais ça peut être sympa. Fenring, est-ce que ça vaut la peine? Faut être un peu averti pour faire les conquêtes. Et oui. En fait, comme je recommence le jeu depuis très longtemps, j'avais découvert il y a très longtemps, et là je le recommence en mode... C'est la deuxième partie que je fais depuis que j'ai réinstallé le jeu. La première, je l'ai gagné honteusement. C'est une partie normale. J'ai gagné honteusement avec les sangliers. Mais c'était pas une conquête, c'était... Ah ben voilà, c'est pas facile, c'était normal la difficulté. Ah voilà, j'allais te le demander Fenring, est-ce que ça vaut la peine que je lance Dark Souls ou pas? Mais si tu décolles, je vais pas lancer Dark Souls, je le lancerai avec toi une prochaine fois. J'ai plaisir à jouer à Dark Souls quand tu es sur le chat, et je sais que tu préfères de loin être là que de le voir en VOD. Du coup, promis, prochaine fois que... À part jeudi, parce que jeudi c'est prévu, on va faire de l'Europa Universalis, mais prochaine fois que tu es là, en début de live, même en milieu de live, je termine ce que je fais, une part des Geoff ou de Narsgard ou quoi, et j'enchaîne sur du Dark Souls 2. Pour avoir ce cher GPS Sherpa à 16h avec moi. Non, en vrai, j'aime bien aussi en VOD. Oui, bah oui, c'est gentil, mais j'imagine que c'est quand même plus sympa de foutre de ma balle en direct quand je prends des mauvaises décisions. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? On en relancerait une.
Ou alors l'histoire, je suis pas, je sais pas. Ça c'est le mode créatif, c'est qu'on peut créer des... Oh c'est cool. On peut créer des maps et tout. Ça c'est cool, s'il est bien foutu, ça veut dire qu'il y a sûrement des joueurs qui s'y sont donnés à cœur joie et qu'il y a plein de modes jouables. Multijoueur, c'est là où il y a des joueurs en fait. Ah, merci. Merci pour l'info. Je veux bien faire un petit multi, hein, mais autant j'ai assez d'expérience pour faire des parties multi de Age of Empires intéressantes, autant là, je veux bien pour le fun aller me faire exploser en multi, mais 3v3 équilibré, oui, en plus, c'est même pas du free for all, c'est du... Et en équipe, ils vont me râler dessus, les mecs qui sont contre moi. Allez, qu'est-ce qu'on fait ? Non, j'ai pas le niveau pour aller faire du multi, j'ai pas... C'est n'importe quoi, si je fais du multi, ils vont... Non, j'ai vraiment pas le niveau, il faut que je joue encore un peu avant de faire du multi. En multi, je vais juste faire rager mes collaborateurs, mes coéquipiers. Et même pour les gens en face, ce sera pas intéressant, ils vont nous rouler dessus. Non, mais il y a plein de mecs archi nuls. D'accord, mais statistiquement, il y a plus de chances que je tombe sur quelqu'un qui a fait quelques parties en plus que moi que sur un mec qui a relancé le jeu qu'il n'avait pas ouvert depuis 2 ans et qui a fait 2 parties et demie. Même pas, 1 partie et demie. Donc, qu'est-ce qu'on ferait pour se faire un peu la main ? Est-ce qu'on ferait du conquête ou est-ce qu'on ferait une solo ? Bon, si tu veux bien me... Ah, tu m'aurais rejoint ? Bah écoute... En vrai, Nocti, est-ce que tu veux te faire un petit... comme ça, tu sais à quoi t'attendre. Est-ce que tu veux te faire un petit 1v1 ? Est-ce que ça te tente ? Ça, je vois un peu ce que c'est que de jouer contre un joueur. Tu veux pas 2v2 plutôt? J'ai baissé mon compte pour pas faire peur aux gens. Un 2v2 où on est allié alors? Moi je veux bien. Je veux bien. Du coup, on va créer une partie. Hein. Tu vas nous rejoindre. Alors, créer une partie. Nom de la partie, je vais mettre Blutch. Mais non, on va mettre un truc pour qu'ils le reconnaissent. On va mettre 2v2 2v2 Alf noob. Il y a moi et il y a toi quoi. Et t'as l'air d'être beaucoup moins un noob que moi. Alors, ajouter des mots clés, je sais pas. Serveur Europe, bien sûr. Type de partie public. Joueur, on va mettre 2v2. Mode de jeu, alors je connais pas le mode Ragnarok, mais classé, où est-ce qu'on... c'est ici ou alors c'est... Attends. C'est dans type de carte peut-être ? Non ? En nom de la partie, serveur de jeu, type de partie... Ah, classé, voilà, c'est là. Joueur de V2, alors Northgard ou Ragnarok, je vais mettre Northgard parce que Ragnarok je sais pas ce que c'est. Hostilité du monde difficile, je suppose que c'est verrouillé parce que je suis en classé. Ouais, tout à fait, c'est ça. Donc, le monde est très hostile. Northgard c'est plus chill, ouais, faut le dire vite. Sans mode, taille de la carte on va mettre moyenne. Type de carte aléatoire, génération de carte aléatoire, condition de victoire en classé, j'imagine que c'est... Voilà, c'est tout. Et c'est là que je vous quitte du coup, bonne soirée messieurs, bonne soirée à toi Fenring, merci beaucoup d'être passé, c'est super sympa, j'espère que tu vas bien, et madame aussi évidemment. Passez une excellente soirée, à tout bientôt. Alors, tu veux que je joue quel clan ? Ce que tu veux moi... Je connais pas assez. Écoute, moi je vais jouer. Je vais jouer quoi? Je sais pas. Les serres. Le souvenir que les serres étaient pas mal. Je crée la partie du coup. Hein. Je crée la partie.
peux me mettre en rouge parce que c'est agressif. Jouer les cerfs du coup. Équipe 1. Et je t'attends. En espérant que on soit rejoint par des autres. Après, jouer en classé, c'est se fermer la porte à des joueurs nuls. Hein. Moi, je fais du ladder sur Age of Empires 2, c'est parce que je sais jouer. Et je tombe contre des mecs qui savent jouer. Ce qui est intéressant, d'ailleurs. Là, ici, si je joue en classé, je vais tomber contre des mecs qui savent jouer. Et je suis allié avec un mec qui sait jouer. Toi. Moi, je sais pas jouer. Hein. Je sais pas jouer. Je vois pas la game. Ben, refresh, je sais pas. 2v2, half noob. Non mais en vrai, le classer sur Norsgaard, c'est ridicule. D'accord. Information, 2v2, half noob, voilà. Serveur de jeu Europe, mode de jeu Norsgaard. Pas bien quoi te dire, moi. Si tu refresh, tu la vois pas. Tu relances le jeu, ok. Ouais, c'est bien ouvert. Hein. Je peux mettre prêt, mais c'est pas... Pas de sens. Je suis pas prêt tant qu'ils sont pas là. Ah, il y a une mise à jour. D'accord, ouais, voilà. Voilà. Ouais, par contre, on risque d'attendre les autres longtemps. Enfin, peut-être que quand ils verront 2 sur 4 sur la file d'attente... T'as peut-être une mise à jour? Ben non, j'en ai une en lançant le jeu tantôt. De mise à jour, donc normalement c'est bon. Enfin, c'est pas compliqué. J'ai la version 2.4.1.2018.1. 20181. Donc, toi de me dire si la tienne correspond à ça. Enfin, je sais pas si sur le stream c'est suffisamment... Ah, Tinocti, ben voilà. 98 points de gloire et j'ai 0 points de gloire. Bon. Là, je vais me mettre prêt. Hein. Et on va attendre. Pam 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 padam. Du coup, tant qu'on est là à attendre les autres, est-ce que tu aurais une stratégie? Tu veux que je joue serre? Comme ça, je fais la même chose que toi en mieux. Si tu veux. On peut jouer serre. Mais du coup, tu aurais des conseils? J'imagine que. Il faut rusher la colonisation? Je sais pas. Ouais, si t'as 2-3 types, je suis preneur, vraiment. Je suis vraiment preneur de tips. En 800, tu cleans les loups. Donc la première année, quoi. Parce que les loups, c'est relou. Allez, c'est tout pour moi. Les loups, c'est relou. Merci, bonsoir. Donc ça veut dire que déjà en 800, je dois faire des soldats. Deuxième tips important. En été. Palapam, palam, pam, pam, pam. Tu n'as pas de malus. Ouais. En hiver, par contre, tu produis moins de bouffe. Ouais, ça j'avais saisi. Ça, jusque-là, j'avais compris. Moins de bois aussi. Enfin, tu consommes plus de bois. Tu produis moins de bouffe, mais tu consommes plus de bois. Oh, les gens. Oh, c'est dommage qu'il n'y ait pas un petit chat. Ah, il y a un chat. Voilà, comme ça je peux dire bonjour. Roscoe est prêt. Ah, mets-toi en équipe 1, Tinocti, s'il te plaît. Donc en hiver, faut stop toute la prod de bouffe. Ah oui, faut la stopper carrément. Parce que c'est pas worse. Hein, ça fait sens, hein. Ça fait sens, c'est comme ça j'occupe les villageois autrement. Ok, bah déjà avec ça comme troisième tips, les healers c'est de la merde. Ah ouais ?
Ah bah, moi qui comptais beaucoup sur eux, eh bien, ça va vachement changer ma vi version, ma vision du jeu. Les healers, c'est de la merde. Eh ben. Voilà, c'est parce que tu m'as vu jouer que tu sens obligé de me dire que c'est de la merde. Ok, attention, c'est parti. Nocti compte sur nous pour pas faire trop de la merde, je crois. On fait bien sûr une cabane d'éclaireurs. Ça me paraît bien au début. Ensuite, on fait quoi? On fait une maison, on fait une maison, on fait une maison, on fait une maison. Allez, une petite maison, ok. Et puis peut-être alors déjà un camp d'entraînement quand on pourra. Ah, toi, tu vas devenir éclaireur. Ok, éclaireur, vas-y. Éclaireur, et comme ça, tu vas éclairer là. J'aime pas faire un camp de bûcheron sur le truc de base. J'ai l'impression qu'il vaut mieux faire gaffe s'il n'y a pas. T'as pris serre, ok. Je préfère faire gaffe s'il n'y a pas. Comment? Du bois à côté. Bon, là, il n'y a pas de bois. S'il y a peut-être du bois là. Peut-être de la merde à ce que je dis, mais. Ah, peut-être bien une forêt là. Je crois que j'ai une forêt là. Ah, je peux te copier, on a déjà la vue sur l'autre. Il a fait quoi? Il a fait un camp d'éclaireur, mais il a pas fait de maison lui. Hein, il a pas fait de maison, il a peut-être fait une erreur. Moi je vais faire un camp de bûcheron là, vu que j'ai du bois. Oui, parfait, tac, je vais coloniser ici. Pourquoi je peux pas coloniser une zone? Parce qu'elle est défendue. Aïe. Aïe. Aïe, c'est chiant ça. Bon, mais du coup, je vais devoir faire mon camp de bûcheron d'abord ici. Je suppose. Ah, je peux pas leur dire de quitter. Hein, c'est vrai. Aïe, 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 au secours. Bon, mais tant pis, je fais mon camp de bûcheron alors. Tant pis, ouais, il l'a fait aussi. Il l'a fait aussi. Ok. Ok. Allez, essayons de ne pas faire trop de boulettes. Je sens que j'en ai déjà fait beaucoup, mais c'est pas grave. Ok, toi, deviens bûcheron. Et toi, hop là, tu vas venir ici. Comme ça, tu vas fouiller ici. Et ensuite, je vais faire un camp d'entraînement ici. Et comme ça, je vais pouvoir clean les loups. Parce qu'en 800, on clean les loups. Et on va coloniser ici après, tiens. Et ici c'est quand même pas mal hein, parce que j'ai du poisson. Donc dès que j'ai mes soldats, il faut que j'aille clean les loups là-bas. Ouh, je sens qu'il va me faire chier lui. Ouais. Ouais, il va me faire chier lui. Allez, ok. Ok, on va s'en occuper. Voilà. Oh, les healers, tu dis que c'est de la merde, mais moi j'aime pas d'avoir les hommes blessés, hein, c'est chiant. Tu les ne les soigne pas, c'est trop long. Ah bon, ok, bon. Soit. Et donc vaut mieux sacrifier ces mecs. Vaut mieux les sacrifier pour la cause. Et puis ça revient parce qu'on gagne du bonheur, parce que du coup on a. Je sais pas si c'était worse de détruire mon camp de bûcheron, de le refaire à côté, mais. Alors mon éclaireur il est là, bah il va aller explorer là. Toi tu vas aller au caillou. Ah bah c'est toi.
Poum, 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 poum. On augmente la capacité des bûcherons ou alors on fait la valeur de l'héroïsme. On va augmenter les bûcherons. Hein. Où est-ce qu'ils sont mes... Ah bah j'ai plus de troupes. Toi, tu deviens un bûcheron. Toi aussi. Et alors il nous faut bien sûr une cabane de pêcheurs pour avoir du poisson. Parce que voilà. Pour avoir de la bouffe quand même un petit peu. Tac. Toutoum, poutou, poutou, poum. Qu'est-ce que c'est que ça? Courroux de Thor, lieu recelant un pouvoir ancestral, octroie un bonus d'attaque de 10% de vitesse militaire. Connaissez ces hommes pour tenir 50, ok. Ah bah écoute, on va essayer. Par contre, toi, tu deviens un pêcheur, et toi aussi. C'est très fort le truc là de Thor, donc c'est bien que je le colonise alors. Voyons voir. Là, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Peut-être coloniser ici. Mais j'ai pas assez de bouffe pour ça. Ça va être bientôt des loups. Donc ça veut dire qu'il faut que je transforme mes deux vieux villageois ici en guerriers. Je refais des unités, ok. Je refais des unités et puis je fais les loups, ok. Ok. À vos ordres, monsieur Nocti. Fais confiance. Du coup, les loups, plutôt... Je vais pas péter les trucs là, les espèces de... T'inquiète, c'est mieux de perdre des unités. D'accord. C'est pas instinctif, hein. Les loups, ça va, je fais les loups. Voilà, je fais les loups. Là aussi, les loups, ok. Ok. Ok, il me reste un guerrier. Il n'y a plus de loups, là. Je crois qu'il n'y a plus de loups, non? A priori, il n'y a plus de loups. Bien joué, bah merci. merci. Qu'est-ce qu'on ferait maintenant du coup? On ira chercher du caillou, donc on va coloniser ça. Donc il faut de la bouffe, on n'a pas assez de bouffe du tout. Pas de festin en hiver, jamais, ok. Voilà, c'est dit, ok. Mais ça, je ne faisais pas de festin en hiver, parce que, effectivement, bah, c'est un bonus de 20% pourcentage. J'ai moto augmenté. Ah, alors, qu'est-ce qu'on va choisir ici? Expansion, ça me paraît bien. On économise de la bouffe et je peux coloniser ça plus vite. Désolé, parfois je prends des initiatives, j'espère que ce n'est pas des mauvaises. Mais je préfère de temps en temps prendre des décisions que d'attendre. C'est mieux, dératisation en serre. Je savais que j'avais pris une mauvaise décision. Bon, si l'eau produit 10% de nourriture supplémentaire, le coût de leur amélioration est également réduit de 50%. Les silos, c'est la vie chez eux, ok. Bah oui, un petit silo ici, ça pourrait être pas mal. Ah merde, 2 sur 2. Développer la zone, coûte cher. Ça coûte cher. On développerait la zone. Ouais, allez. Et je fais un petit silo. Hop, tac. Pour améliorer la production de poissons. Il sera pas trop mal en hiver. Hein. Donc du coup là je stoppe la production de bouffe, c'est ça? Enfin pas le poisson. Le poisson ça change rien. Développer la zone, ça veut dire que ton Sim City est mal foutu. Pas le poisson, donc je laisse quand même les trois, les deux mecs au poisson. Mais après, c'est tout ce que j'ai comme bouffe, c'est du poisson. Mais faut trouver des métiers à tes villageois, ok. Donc lui, je sais pas moi, on peut faire un mineur ici par exemple.
c'est pas top, mais lui il prie. Enfin, on peut faire des. Avec le bois, je peux faire des expéditions. Là, ici, voilà. Donc toi, tu vas construire ça. Bah, j'aimerais bien coloniser ici, en fait, mais pour avoir du caillou. Et pour avoir la terre fertile après. Pompodium. À la limite, ce serait bien de faire un marché. Mais non, pas toi. Comptoir avant marché. Comptoir avant marché. Comptoir avant marché. On annule tout. Est-ce que je vais perdre des sous ou pas? Alors qu'elle n'est pas encore construite. Si j'annule. Parce que bon. Si j'annule la construction, ça... Ah, ok. Ça va, j'ai récupéré les sous. Comptoir avant marché. Comptoir. Faut plus de maisons, il dit. Si elle est en dessous de 100%, tu récupères tout, ok. Est-ce que... Alors, toi, tu vas partir en expédition. Toi aussi. Ah, là, je peux fouiller avec un éclaireur. Mon éclaireur, il est où? Il est là. Hop là, tu... Ah bah tiens, non, attends. Toi, tu vas devenir éclaireur. Tu vas fouiller là. Comme ça, je trouve des métiers à mes villageois. Comme ça, ils arrêtent de se toucher. Et ensuite... Qu'est-ce qu'on ferait? Bon, toi, tu vas... hop là... prendre des sous ici. Vous deux, vous allez partir en expédition pour avoir du savoir. Hein. J'imagine que c'est mieux le savoir. Surtout que maintenant, on va en avoir un de savoir. Voilà. On va faire des ratisations. Yes. Alors. Alors, pourquoi est-ce que la bouffe est toujours en négatif? Je suppose que c'est parce que j'ai que deux vieux pêcheurs. Du coup, attendez. Il faut absolument que j'ai de la bouffe. Il faut de la bouffe. Toi, tu te redeviens un villageois. Toi, attends. Un bûcheron qui va redevenir villageois aussi. Oh là là, pas assez de bouffe pour faire un festin. Je manque vraiment de bouffe. Hein. Je manque de bouffe. On est en cours de festin. Ah ouais, quand on fait un festin, c'est pour l'autre aussi. Ok. D'accord, je savais pas que les festins étaient communs. Oh là, tu t'es déjà développé tellement plus que moi. En même temps, il faut que je fasse une maison, il faut que j'arrête, hein, il faut que je fasse une maison. On va faire là la maison, ok, tac, toi tu vas construire une maison, allez. Bon. Oh, mais je suis en négatif de bouffe du coup, ça va pas. Toi, non pas toi. Toi, hop là. Oh là là. Il faut absolument que je colonise ici pour avoir une ferme. Merci beaucoup pour le festin. En fait, je pourrais sacrifier un mouton. J'abats un mouton et comme ça, je colonise ça. Hein. Franchement. Ouais, à mon avis, c'est le mieux. J'abats un mouton. Voilà, super. Et je colonise. Je vais faire un hôtel des rois, je pense, ok? C'est une sorte de merveille, ça, qui apporte plein de trucs, il me semble, mais... Ok, ferme, ici. Et ferme maintenant, ok. Ok, ok, ok. Ça me paraît fair play. Oui, bah, je te fais confiance.
Je te fais confiance. Je peux le voir ici. Ok, hôtel des rois. Alors, qu'est-ce que je ferais? La valeur de l'héroïsme, médecine. Augmente de 50% la vitesse de soins de vos guérisseurs, c'est quand même sympa. Emblème du héros. Le coût en pierre de l'hôtel des rois est réduit à 5 et sa production de bonheur est augmentée de 3. Il produit également de la renommée. Ok. Ou alors je ferais armurier pour avoir des troupes pour les vaincre, eux. Je sais pas. Je sais pas du tout ce que je ferais. Bon, il me semble que armurier, c'est pas perdu. Allez, hop. Pas obligé de prendre ton savoir tout de suite si tu sais pas quoi faire. Ah ouais, ok. C'est bon à savoir ça. Tac, toi tu vas devenir un fermier histoire de produire de la bouffe. On va construire une mine ici pour avoir le... Pour avoir le... La pierre bien sûr. Pour améliorer les trucs. Pour les marins fantômes en vue, s'approche de nos côtes. Ok. Alors, toi, tu deviens un mineur. Toi aussi. On va faire des cailloux. Va falloir faire des troupes pour les marins fantômes, j'imagine, pas pour les gérer. Deux guerriers, ça suffit, mais bon. Okay. C'est relou, quoi. Bah, c'est relou pour les autres aussi, hein, j'imagine. Alors, maison commune. Voilà, il me manque plus que dès que j'ai 10 de pierre, j'améliore la maison commune. Je suis un peu en mode stand-by pour le moment, je t'avoue. La forêt à côté, j'imagine que tu vas la prendre. Je coloniserai quoi après ce marais ici, moi? Le vieux marais là? Ou alors je vais prendre le courroux de Thor. Mais pour ça, il faut que je bute les Valkyries déchues. Pas tout de suite, ça. Développe-toi tranquille. Ok. 6 zones, c'est très bien. J'ai combien de zones, moi? 1, 2, 3, 4. Je sais pas combien j'en ai. 1, 2, 3. Ouais, je vois pas bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ça j'en ai 6, j'en ai 6, j'en ai 6. J'en ai 6. Bon. Donc je me développe tranquille, ok. Par contre, les marins machin donc, vont arriver, donc on va faire des guerriers. Là maintenant c'est le moment. On va faire les guerriers. On va bientôt avoir le savoir, on va faire... stratégie défensive, augmente la puissance d'attaque de vos habitants, la puissance de votre tour de défense. On ferait ça? Non, on va faire valeur de l'héroïsme.
Oh merde, 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 merde. C'est chaud, hein. Ok. C'est mes mineurs qui l'ont achevé. Bon, par contre, ça m'ennuie un peu d'avoir autant de blessés. Hein. Je ferais pas une cabane de soins quand même. Franchement, une petite cabane de soins. Faut pas trop les micros. Ah bon? Pas une cour d'escale. Deux pertes à un blessé. Bah moi j'ai eu 3 blessés et 2 pertes. Mais mes blessés j'aurais envie de les soigner, tu vois. RIP MDR, ok bon. Donc là, du coup, j'envoie un de mes fermiers devenir marchand, par exemple. Ah, tu les transformes en scout, c'est pas bête. Pour les tuer, ouais. Poum 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 poum. Je vais avoir 500 de fame, mais fuck les fantômes, j'imagine. On vise une victoire quoi? Une victoire militaire, une victoire science, une victoire renommée. T'as combien de pop au fait? Moi j'en ai 13 sur 18. On vise une victoire déjà, bah oui, mais ce serait pas mal. Mais je me comprends, il faut quand même... 21. Ok, bah... Moi j'en ai 13. Je pense qu'il faut que je fasse une mine ici. Je réfléchis à quoi faire de worse. Allez, je vais transformer mon fermier là en mec à la carrière. Tous mes villageois ont un métier. Parapapam, papapaparapapam, papam, pam, papam. Camp de Mirkalfar. Ce camp de Mirkalfar leur sert de base de détruire. Le détruire probablement le seul moyen de les arrêter. Ne les laissez surtout pas infiltrer. Oh bah justement, il. C'est quoi ça? Mirkalf. On dirait qu'ils attaquent. Ils vont par là. Ok, moi j'ai faim là ici, j'ai faim. Donc toi tu deviens fermier. Toi tu deviens mineur. Toi tu deviens fermier. Et on va faire en sorte d'avoir moins faim.
Le coût en pierre de l'hôtel des rois réduit, hein, médecine, on s'en fout apparemment. Débloque le phare, augmente la production de bombes marins. C'est pas. On va dire frappe de monnaie. Et je vais prendre. Atténuer la baisse de production de nourriture pendant l'hiver. Oh, de la pierre pour améliorer tout. Ouais, la pierre, allez, hop. La pierre et je vais améliorer du coup la bouffe, du coup les pêcheurs ici. Super. Du coup toi, hop là, tu deviens un pêcheur. Votre allié est attaqué, ok, au secours. Où ça, quoi? Est-ce que tu veux de l'aide? Est-ce que tu veux que je fasse des troupes pour venir t'aider? Non, ça va, ça a l'air d'aller. Ok. Ok, 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 ok. Fin hiver, tu rebosses la bouffe. Of course, bah oui. J'ai des gens malades, j'aime pas ça. Pas ça du tout. T'es sûr que je peux pas faire une cabane de soins? Une seule petite cabane de soins pour être sûr de pas avoir de gens malades? Une toute petite. Tu peux à un moment. Mais on... Mais c'est pas worse, ok. Attention, t'as attaqué là. Dès que quelqu'un est blessé, on est d'accord qu'il produit 20% de moins, quoi. C'est quand même pas mal. Sauf en scout, ouais, d'accord, mais... Parce que j'ai quand même beaucoup de blessés, hein. Voilà, je vais faire une cabane de soins, quand même. Je ne ferai qu'un seul soigneur, promis, mais... Ça me paraît bien quand même. J'ai beaucoup trop de blessés partout. Pas beaucoup de bonheur. Peut-être faut que je demande à mon érudit ici de venir à Scal pour faire plus de bonheur, pour que les... pour que j'ai plus de mecs qui y arrivent. Mon éclaireur est mort. Genre il m'en reste un, ça va. Il y a encore deux de pierres dans ce gisement. Je pourrais envoyer le mineur à la ferme. Ok, tu vas pouvoir soigner un peu les gens, toi. Qu'un, et puis après je pourrais repasser à la ferme. J'ai la bouffe en négatif alors qu'on a en été, alors qu'on a en août, c'est peut-être pas une bonne chose. Ah bah voilà, toi tu peux détruire ça, et toi tu peux devenir fermier. Comme ça normalement la bouffe va repasser en positif. Ouais, super. En fait je pourrais améliorer le... Ouais, la nourriture là, avec le silo. Super. Super, super, super.
Alors, est-ce qu'avec un guerrier et un chef de guerre, je peux aller attaquer les Valkyries déchues? Ou est-ce que tu me conseilles de ne pas prendre le cours de Thor maintenant? Je suis attaqué. Non, barre-toi, j'ai pas envie d'avoir un blessé encore. Faire stratégie défensive. Ok. Alors. Bon, on va faire deux mecs. On est en négatif de bonheur, tiens. C'est nul. C'est nul. Ah, bah je perds un parce qu'il y a des blessés, hein. Du coup, pourquoi est-ce que je perds de bonheur aussi? Bah, il faudrait des scalds. Ah oui, je pourrais améliorer ça. Moi, j'aurais dit plus pour les... J'aurais... Plus dit les draws au bout d'un moment. Où tu vois des draws à faire dans le coin? J'ai de nouveau un de bonheur. En 800, les loups sont tes ennemis. Ouais. Mais en 802, les draws sont tes nouveaux ennemis. Ok. Attention qu'il va y avoir une tempête de neige. Donc il faut des réserves de bouffe et de bois. Ce n'est pas du tout mon cas. Tu vas mourir pour l'interrogation. Non, je ne pense pas. Enfin. Non, je pense pas que je vais mourir. Bah, j'ai 64 de boue. Après, j'ai. Tiens, il fait rien lui. On détruit. À la place, on va faire un marché. Tac. Tu prends cher, ouais je prends cher mais... Écoute je me débat. Oh, oh, plus de bouffe là, plus de bouffe. Allez, finis de construire le marché que je puisse en acheter là de la bouffe. Si
te plaît. Allez, vas-y, dépêche-toi. J'ai un mouton à sacrifier, non? Allez, on sacrifie le mouton. On sacrifie, on abat le mouton. On abat le mouton. Voilà. On abat le mouton. Et toi, tu deviens un marchand. Et comme ça, on achète de la bouffe. Ah, merde! Il faut le temps qu'il fasse des stocks. Aïe, 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 aïe. Heureusement qu'on avait un mouton à sacrifier. Heureusement, heureusement qu'on avait un mouton à sacrifier. Moins 16, oh là là, au secours. On achète de la bouffe, mais... Est-ce que ça va suffire? Il me reste 500 de bouffe. Ça va, on a compris que t'avais mieux géré que moi. Attention, votre allié est attaqué. Vous êtes attaqué. Je suis attaqué où là? Ok, c'est les draws, t'avais raison. T'avais raison, c'est les draws. Ok, toujours en moins 15, comment ça se fait? Comment se fait-il qu'on soit... Ah, on est à plus 4, ça y est. Ça y est, ça y est. J'ai fait ça, ouais. Heureusement. Heureusement, on va améliorer la ferme. Pas assez de bois, mais ça va revenir. Viens, on tue ça. Oui, ok, ça va. Ça me va, ça me va. Alors, voyons voir. Voilà, un nouveau villageois qui va venir faire du bonheur ici hein, avec le Skald. Il me faudrait peut-être une maison. Voilà. On colonisera ça quand on aura un peu de bouffe. On est encore en négatif de bouffe, c'est dingue ça. Je vais construire un silo ici. Je reste à 31 de pop, c'est déjà beaucoup. Ok, je suis à 17 moi. Est-ce que je peux faire une maison encore? Bah, je pourrais en faire une là en fait, une fois que j'aurai colonisé, mais... Ça coûte 110 de bouffe. Dommage qu'on puisse pas faire des routes de commerce pour acheter des trucs. On peut déjà vendre des trucs, c'est déjà pas mal. Tu vois, les mecs en face sont nuls. Je sais pas très bien de... Y a pas à avoir peur du multi. Moi, ah bah écoute, effectivement, je m'y essayerai. Et puis c'est la meilleure manière de d'évoluer, hein. En tout cas sur Age of Empires, c'est comme ça, c'est contre les joueurs. Hein. Qu'est-ce qu'on ferait bien? Je n'ai fier. Augmente la puissance d'attaque de vos unités militaires de 3% pour chaque point positif de bonheur. Oui, pas très heureux en ce moment. Ah si, quand même. En sécurité, confère 3 de bonheur si vous avez un chef de guerre et plus 1 de bonheur par camp militaire amélioré. Allez, je vais faire ça, comme ça je vais booster un peu mes troupes, enfin ma population, je vais dire.
Ok. Bientôt, je pourrais coloniser ce truc-là. Ça pourrait être pas mal. Allez, allez, allez. Jormurand, qu'est-ce que c'est que ça? Tu veux que je les tue? Tu veux dire les mecs en face? Bah, on peut y aller, hein. On peut y aller à deux. Pas obligé de les tuer tout seul. On va essayer d'y aller à deux. En plus, moi j'ai le machin de Odin là. D'Odin, de le courroux de Thor. Je sais pas comment ça marche par contre. Je viens de coloniser le courroux de Thor, mais je ne sais pas comment ça marche, je sais pas comment utiliser le pouvoir. Ouais, je refais un guerrier en plus. Oula! Ça vient d'où tous ces guerriers là? Comment tu fais pour avoir autant de guerriers? Tu produis plus rien là? T'as mis toute ton économie en stand-by? Ok, bon, bah allez, let's go. Ah ouais, tu vas aller péter ça d'abord. Mais quel bourrin. Voilà, au secours. Quelle force de frappe. Eh ben, heureusement que je suis là. Eh ben, ben, ben. Bon ben. Et donc tu fais que des guerriers, hein, pas autre chose si j'ai bien vu. C'est le plus efficace, c'est les guerriers. Non mais le moins cher, ah ok. Ah, il a perdu son chef de guerre, là. Bon, ben, je crois que ça va être win, hein. Enfin, je ne voudrais pas vendre la peau de l'ours avant d'avoir noyé le poisson, évidemment. Donc, le courroux de Thor, tu sais comment on s'en sert, de ce truc? Bah, tu l'as. Ah, c'est pas un truc à activer, en fait. Lui, selon un pouvoir ancestral, octroie un bonus d'attaque de 10% légitimité. Ah, c'est juste plus 10%. Ok, c'est pas un... Je pensais que c'était un buff à mettre plus 10% tous les X temps, quoi. Là, il essaye de faire des allers-retours pour se soigner, en fait, ça. Ouais, ça marche pas mal, hein. Je fais quoi? Je sauvegarde mon chef? Je vais sauvegarder mon chef quand même. Hein. Ouais, ça. Je vais sauvegarder mon chef. C'est ça que je disais. Je peux acheter un peu de cailloux. Hein. Et comme ça, je peux améliorer la cabane. Comme ça, mes guerriers sont un peu plus balèzes. Voilà. J'ai 4 guerriers et mon chef de guerre. Ah, ils veulent des maisons améliorées, ceux-là.
Ok. Je peux refaire 12 mecs en vrai. Bah, quand tu veux, moi j'en ai 5 de près, enfin 4 mecs plus mon chef. Après, j'ai pas le truc. J'ai pas le manteau de fourrure, donc je sais pas si c'est une bonne idée d'attaquer en hiver. Trali est attaqué. Bon, on fait quoi? On défend ou pas? J'arrive, t'inquiète, ok. Bon, on fait quoi? On vise le chef de guerre ou pas? Au niveau de la micro. Bon, j'ai focus le chef de guerre. J'ai l'impression que c'est une bonne idée, mais... Regarde les stacks. Les stats. Ok, on a 85% de gagné avec la... Avec la renommée. Ouais, c'est gagné quoi. Tu peux appuyer sur V. Ouais, bah j'ai vu. Pour aller voir son dos, ouais, mais il y a le petit bouton en haut à gauche. Hein. Par contre, c'est un peu le bordel là. Je crois que j'ai perdu mon chef de guerre. Ah non, il est là. Il est là, il est là, il est là. Il est là. Kraken a attaqué un des deux Kadrakar. J'ai perdu des marins. Oui, j'ai perdu des marins, visiblement. Réparer. Il faut que je demande à un mec là de réparer. Il n'y a pas de petit profit. Tuer tous les villageois. Alors, jeune et fier, allez. Ah bah juste, j'ai fait ça juste avant de perdre toutes mes troupes, tiens. Tu veux que je vienne t'aider? Oh, t'es déjà là?
Ah dommage qu'on puisse pas faire pause parce que... Oh c'est pas grave. Ah oui c'est vrai qu'il y a couvre-feu. % pour récupérer mon chef de guerre. Je pense à 1000 trucs en même temps, du coup l'animation n'est pas au top, je m'en excuse. Et bah, qu'est-ce que c'est que ces comptes taureaux? Attention, votre allié est attaqué. Les sous sont un peu en berne chez moi. Il faudrait que je refasse des marchands pour pouvoir recruter des mecs. Non, je crois que les sous sont en berne depuis que je fais plus de pillage non plus avec les drakkars. Oui, il faut m'aider, mais je sais bien, je sais bien. C'est bien, mais c'est pour ça que pour t'aider, j'ai besoin de sous. T'aider, j'ai besoin de sous, mais là ça va, j'ai 3 guerriers. Je pourrais faire mon chef de guerre, mais j'ai besoin de 150 quoi. C'est chiant. Hop là, je vais aller envoyer une expédition. Hop là, on fonce comme tu veux. Tac. Voyons. Les sous ça va, le bois ça va, la bouffe ça va un peu moins bien. Faut dire qu'on est 21. À la limite, je pourrais faire un autre soldat. Ok, t'as une idée pour Win, je t'écoute. Je t'écoute.
Hey, coucou Potato, ça fait longtemps que j'avais pas rejoué. Allez, je vais dozoter. Je venais gonfler ton algorithme, gros bitch. Merci Potato. Je suis attaqué là, apparemment. Donne vite. De quoi tu parles? Comment ça, donner? Ah, donne-moi une zone. Faut te donner une zone. Comment je fais pour donner une zone? Je peux pas te la donner, apparemment. Je clique où? Clique sur la zone. Ouais, ok, sur la zone ici où on est en train de se battre. Hein. Avec la ferme. D'accord. On a win sur la zone, ok. Sur la ferme. Ok, là, je peux pas quitter, je fais la pause, donc ma zone à toi, ok, ma zone à moi avec la ferme, je te la donne. Ok, ça va, on va faire ça. Je te fais confiance. Non, j'ai pas compris. J'ai pas compris ce qui s'est passé, c'est une histoire de fame, j'imagine. Pas bien joué, non, non. Je ne mérite pas ce bien joué. Mais énorme bien joué à toi. Vraiment énorme, énorme bien joué à toi. On voit que tu maîtrises vraiment ton sujet. On voit que tu maîtrises vraiment le jeu. Merci beaucoup pour la leçon. Jeu intéressant, il faudrait que je m'y penche plus sérieusement. Voilà, mais en tout cas, j'ai appris beaucoup de choses. Et c'est vrai qu'on apprend beaucoup plus vite. En compagnie de quelqu'un qui connaît déjà mieux le jeu. C'est ce que je vais essayer de faire d'ailleurs avec un ami à moi sur un autre jeu, sur Europa Universalis, jeudi. C'est abusé. C'est abusé quoi, le clan est Thorfinn. C'est quoi, c'était les verts ou les bleus ça? Les bleus j'imagine. Les bleus qui ont été plus casse-bonbons il me semble. Au niveau... ouais ça, les bleus. Bon, ceci dit, le mec il est full nul, mais il a Thorfinn, c'est bon. Thorfinn c'était le gros chef de guerre là. Ok, et alors pourquoi on a gagné à la fin? Parce que je t'ai filé une zone? C'était tout ce qui nous manquait au niveau renommée? J'ai 12 zones, 1200 de renommée et Hôtel des Rois. Ok, c'est donc ça. Bon, eh bien les gars, Potato notamment, bah, il est déjà parti, mais merci à lui d'être passé. Nocti, merci. Merci pour la partie, pour les conseils et d'être passé sur le stream, ça fait plaisir. Je vais vous laisser. Déjà, c'était un petit stream ce soir. Il y aura un gros stream jeudi à Europa Universalis. Demain, je ne sais pas s'il y aura du stream. Je promets pas à l'avance. Mais jeudi, en tout cas, c'est sûr. Jeudi, c'est sûr. Voilà. Demain, je pense pas d'ailleurs qu'il y en aura parce qu'il me semble que demain, si je ne dis pas de bêtises, je suis sur du Among Us avec des potes, mais je ne stream pas Among Us. Du coup, demain, il n'y aura probablement pas de stream, mais jeudi, grosse soirée, Europa Universalis. Alors... Ah bah tu vas à Among Us, toi. Je vous écouterai. Oh, merci moi, beaucoup Shadow, pour le follow. Si moi j'étais vous, je vous écouterais. Merci beaucoup pour le follow. Eh bien, amuse-toi bien sur Among Us. Et encore merci hein, pour tes conseils. J'ai franchement appris pas mal quand je vois ma zone par rapport aux autres. J'ai encore beaucoup, beaucoup à apprendre. Mais merci beaucoup. Allez, à tout le monde. Ciao, à la prochaine. À jeudi. Jeudi 20h ou 20h30, il me semble, pour Europa. C'est annoncé sur la page Facebook. À plus.